Salut tout le monde, c'est Spina pour le test de Secret of Mana sur Super Nintendo. Il a été développé et édité par Square. Il est sorti le 24 novembre 1994 en Europe, mais il était sorti beaucoup plus tôt au Japon, soit le 6 août 1993. Donc là, comme d'hab, hein, on est pas verni. Donc vous pouvez le retrouver sur beaucoup de consoles. Hein. Il était sur la console virtuelle de la Wii également, de la Wii U. Vous l'avez même sur téléphone, sur Android. La version est pas trop mal, hein, je vous la conseille à la limite. C'est un action RPG jouable à 1 et 3 players, de 1 à 3 plutôt, pour faire plus simple, pour faire de la coopération. C'est plutôt sympa, j'ai essayé une seule fois et on s'est plutôt bien éclaté, même s'il y avait pas mal de bugs, de blocage de personnages. Ceux qui ont fait le jeu savent exactement de quoi je parle. Donc au Japon, le jeu s'appelle Seiken Detetsu numéro 2. Il y a d'ailleurs un numéro 3 qui n'est jamais sorti chez nous, hein, donc il n'y a pas vraiment de Secret of Mana 2. Il est ressorti plus tard sous le nom de Trials of Mana, assez récemment même. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que le nom donné est bien trouvé ou pas, est-ce qu'ils auraient dû l'appeler Secret of Mana 2, est-ce qu'ils auraient dû garder le nom Seiken Detetsu 3. J'ai envie de vous dire, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour commenter cette chose, même si certains vont se poser la question, j'y reviendrai peut-être un jour dans la thèse du troisième opus. Donc pour les petits nouveaux, j'ai fait un let's play de jeu là sur ma chaîne il y a quelques années déjà, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment un jeu qui a marqué toute une génération, hein. Tout le monde connaît Secret of Mana sur Super Nintendo, tout le monde ou presque, en tout cas ceux qui ont connu cette époque-là, hein, les années 90, ceux qui ont eu la console, et peut-être même ceux qui l'ont eu un peu plus tard, connaissent Secret of Mana. Pour la plupart, c'était le premier RPG qu'ils faisaient sur console. C'était nouveau, c'était frais, ça apportait vraiment quelque chose en plus aux jeux qu'on connaissait déjà, hein, les jeux de plateforme, les jeux de combat et j'en passe. Là, on entrait vraiment dans un nouveau monde, dans un nouvel univers. En fait, tu faisais autre chose. T'avais dû démonter de niveau, t'avais des armes à récupérer, des armes qu'il fallait eux-mêmes faire progresser, de la magie, un monde féerique, un monde fantastique. Qui allait tout bonnement en fait envoyer les joueurs vers une nouvelle perspective, en fait une nouvelle perspective de jeu, une envie d'autre chose, vous voyez, quelque chose qui se démarque des autres jeux, ce qui n'est plus le cas de nos jours, hein. Tout le monde connaît les RPG, tout le monde en bouffe régulièrement, il y a une flopée qui sort tous les ans, mais là il arrivait enfin du Japon, vous voyez, c'était une nouveauté, c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui était juste exceptionnel. Donc moi je l'avais pas connu, je crois tout de suite à sa sortie, c'est assez flou, hein, mon expérience avec Secret of Mana. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le vécu que j'avais eu à l'époque et lorsque j'ai refait le jeu il y a quelques années, ma vision du jeu a quelque peu changé en fait. Donc c'est triste à dire, mais je le mets un peu moins sur un piédestal, malheureusement. Il y a quelque chose qui m'a pas plu lorsque j'ai refait le jeu. Je vais essayer d'y revenir tout le long du test. Hein, donc évidemment, pour moi, ça reste un jeu exceptionnel. Hein, je vais vous le dire dès le début du test. Tout le monde doit avoir fait Secret of Mana, ça fait partie des bagages historiques du jeu vidéo. Il faut le faire, les gars, il faut le faire. Même si vous avez connu, je sais pas, les jeux vidéo à partir de la PlayStation 2, ou pire encore, de la PlayStation 3, si vous êtes très jeune, hein, pour faire simple, passez un petit peu de temps sur ce Secret of Mana, prenez-le sur Android, sur téléphone. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. Imprégnez-vous, vous y jouez de temps en temps, le jeu a vieilli. C'est pour ça que mon avis a un petit peu changé. Il peut être même barbant à certains moments, il n'y a pas forcément énormément de contenu, mais ça reste l'un des piliers du genre. Vous voyez ce que je veux dire? T'es obligé de rentrer là-dedans, t'es obligé de le faire. Donc je pense pas que j'y reviendrai un jour, je pense pas que je referai Secret of Mana un jour. Peut-être sur téléphone, on sait pas, hein. Je sais pas. Mais je pense pas, je suis content de l'avoir refait il y a quelques années. C'est pas si vieux, il y a 2 ans je crois. Hein. Je crois, ouais, ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai terminé sur ma chaîne. En une vingtaine d'épisodes de 20 minutes, 20-30 minutes. Et je suis content d'avoir une trace sur ma chaîne de jeu là. Vous voyez, c'est le seul RPG, je crois, que j'ai fait sur la chaîne, hein, si je dis pas de bêtises. Et je suis vraiment content que ce soit celui-là. Il apporte tellement quelque chose, il me fait raviver en fait une flamme que j'ai dans le ventre. Ça n'a aucun sens ce que je dis là, mais je pense que les nostalgiques, tout ça, comprennent ce que je veux dire. Voilà, il me rappelle en fait, il fait raviver des souvenirs que j'avais de l'époque, pas forcément du jeu, hein, mais ce qu'il y avait autour, vous voyez, aller jouer avec les amis le mercredi soir,
Après l'école primaire, tout ça, le samedi après la bibliothèque, on va se faire un petit Secret of Mana. Après les cours, hein, le samedi après-midi, c'est tous ces à côté-là qui font que Secret of Mana, je peux pas le défoncer. Pourtant, il y a quand même matière à le défoncer sur certains points. Hein. Je suis désolé, mais il a quand même des défauts. Il a énormément de qualités, il a plus de qualités que de défauts. Et il en a. Tu peux pas passer outre tout ça. Mais vous voyez, moi, c'est tout ça, en fait. C'est pour ça que j'aime les jeux rétro, j'aime la nostalgie dans les jeux. On dit souvent, mais si tu testes un jeu par nostalgie, bah, ton test, il va pas être terrible. Ce que tu vas en dire, t'as même pas besoin de faire un test, mais même si t'en parles à quelqu'un, moi, maintenant, la première question que j'ai lorsque quelqu'un me parle d'un ancien jeu vidéo, c'est est-ce que tu l'as connu quand t'étais jeune? Est-ce que tu l'as connu à l'époque de sa sortie? S'il me dit que oui, bah, je vais prendre son avis avec des pincettes. C'est triste à dire, mais même moi, mes tests que j'ai mis sur la chaîne, lorsque je vous dis que c'est un test nostalgique, attention. Attention, mais ce test-là va être un peu différent puisqu'il y a autant un côté nostalgie qu'un côté récent. Puisqu'il est frais dans ma tête. Vous voyez, c'est pas des souvenirs que j'ai d'époque. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Hein. C'est pas parce que j'ai un aspect nostalgique avec un jeu qu'en le refaisant de nos jours, mon avis va complètement changer. Hein. Simple exemple, Secret of Ivermore. Je l'aime toujours autant, en fait. Je surkiffe ce putain de jeu de merde. Comme j'aime Secret of Mana, mais j'ai plus spécialement envie d'y revenir. Vous voyez, j'ai vécu ça à l'époque, je l'ai refait récemment. Je passe à autre chose maintenant. Vous voyez, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Donc Secret of Mana, donc déjà ce que j'ai envie de mettre en avant de parler de la jouabilité, avant de parler des graphismes, avant de parler du scénario, avant de parler de la durée de vie, avant de parler de son contenu, c'est les musiques. Les musiques, c'est quelque chose. Pareil, les RPG sont quand même relativement réputés pour avoir des musiques de fou, quelle que soit leur période. Bah, ce jeu-là n'est pas différent des autres, en fait. Les mélodies, les thèmes, c'est des trucs qui vont te marquer, en fait, qui moi, m'ont marqué à vie, en fait. Je vous ai bien laissé, en fait, l'introduction du jeu pour que vous ayez vraiment le vrai thème de Secret of Mana tout au début de la vidéo. Je voulais pas laisser pour rien ce thème-là. Est inoubliable pour moi, en fait. Ce thème, je ne l'oublierai jamais, tout bonnement, jamais. Tu peux pas oublier un thème comme ça. C'est un thème qui va rester ancré en toi, et je pense que même si tu découvres le jeu là en 2022, au moment où je fais ce test, mais je pense même en 2030, 2040, si YouTube est encore là, si des gens m'écoutent encore en 2040 sur cette vidéo là, si vous faites le jeu pour la première fois, cette musique, le thème principal de Secret of Mana va te marquer, c'est sûr et certain, t'es obligé, c'est obligé. Le thème est trop bon, il colle trop à l'aventure, il est trop épique. Et c'est pas le seul, il y a énormément de bonne musique dans le jeu là, écoutez cette musique actuellement. On est sur Super Nintendo, on n'est pas sur un support CD, hein, je le rappelle. T'es obligé de kiffer, t'es obligé. Ça va pas être ton thème préféré celui-là. Mais t'es obligé de mettre en avant les capacités de la console et le développement de ce jeu-là. Alors au niveau du son, le compositeur c'est Hiroki Kikuta. Désolé hein, pour... Alors je sais pas, compositeur, ouais, c'est vraiment la musique ou est-ce qu'il a composé autre chose, je ne sais pas, je pense que oui. T'es obligé de parler en bien de ce gars-là parce que c'est énorme. Écoutez-moi cette musique encore là. Musique super entraînante, des villes, des machins, c'est beau, c'est agréable à écouter. Ça te prend pas la tête comme la plupart des jeux 8 bits ou 16 bits. Il faut l'avouer, il y a des musiques qui te prennent au trip assez rapidement et tu deviens fou. Là non, tu peux jouer longtemps à Secret of Mana, ça te prend pas la tête. Au pire du pire, au bout de 3-4 heures de jeu, tu vas juste baisser un peu le son. Et je vous dis bien, au pire du pire, c'est si tu passes ton temps à faire du level up, augmenter tes magies, tout ça, là ça va peut-être te prendre la tête, mais sinon c'est pas possible. Lorsque tu fais une vidéo, je sais pas, un vlog, machin, prends des musiques de Secret of Mana pour mettre au fond. Tu vas voir, ça va super bien coller. Bon, je commente pas trop ce que je suis en train de faire, hein. C'est le début du jeu, je voulais pas trop vous spoiler, donc on recommence une nouvelle partie. Beaucoup de dialogue, et puis au moins ça va vous mettre en scène un peu les différents personnages, l'univers, et tout ce qui s'ensuit sur ce jeu-là. En tout cas, c'est un jeu qui a vraiment été très salué par la presse à l'époque, donc, au niveau des sites français. Console Plus, c'est du 95%, c'est juste énorme. C'est parfait. Joypad, c'est du 92%. Donc vous voyez que les... Alors, je peux vous citer des sites US aussi. Hein. GamePro, c'était du 18 sur 20.
pareil, c'était noble. Le Nintendo Magazine System, c'était 93%. Il n'y avait que des bonnes notes, en fait. Il s'est pris une raclée d'aucune presse, en fait. Tout le monde l'a mis en avant. Tout le monde, en fait, s'est jeté sur ce jeu-là. Faut pas croire, hein. Parce que le jeu s'est écoulé à 1,83 million d'exemplaires à travers le monde, dont 1,5 million juste au Japon. Vous voyez qu'on avait un petit peu encore du mal à s'exporter. Mais vous voyez que ça a fait le taf. De toute façon, s'il y a une suite encore derrière, c'est que le jeu a forcément fonctionné, puisqu'il y en a encore eu des autres suites plus tard, hein, les Legion of Mana. Voilà, il y a eu un Second Cat aussi, qui est assez pourri de mémoire. Je crois que Cooper en avait fait un test sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker un petit. Aller lâcher un petit œil sur sa chaîne. Donc on a eu aussi un remake en 2017, un remake avec des graphismes en 3D, pareil, je vais pas en parler dans ce test là. Moi j'y vois pas l'intérêt. Je le ferai sans doute jamais. Faut jamais dire jamais, mais je le dis quand même. Donc voilà, c'est un jeu qui a fait énormément de parler lui et quasiment que en bien, ce qui est vraiment très rare de nos jours. Alors, premier pseudo-boss du jeu, hein, mais rassurez-vous, on ne peut pas mourir en fait. Lorsque t'as tes points de vie qui arrivent à zéro, ben, on va te remettre de l'énergie pour que tu puisses le buter. Donc, te fais pas chétiser des objets soins, en fait, ce genre de choses. Tu le pètes dès que t'as plus d'énergie, on va te ranimer, etc. Y a rien de compliqué. Parce qu'il est pas évident, hein, pour un premier boss. Ouais. Donc, chaque boss qui est détruit en fait explose de cette manière, hein, dans le jeu-là. Donc je voudrais vous parler un petit peu des graphismes, donc la petite musique. La petite musique de la victoire, hein, habituelle que vous allez entendre tout le long de l'aventure. Bravo, avec le bravo, avec les deux points d'exclamation. J'ai assez rigolé là-dessus, hein, pendant le let's play. Obtenir sphère de l'épée. Tu vois que déjà, au niveau des couleurs, on est pas mal. Il y a beaucoup de palettes des couleurs dans ce jeu-là. C'est pas le plus beau jeu de la console, on est qu'en 93, hein, je le rappelle. On n'était pas vraiment dans l'âge exceptionnel de la Super Nintendo. Il y a que des jeux de fou en 93, hein, on est d'accord. Mais au niveau graphisme, on a quand même eu bien mieux derrière. Rien que sa suite, Second 3, on est vraiment un cran au-dessus, qui est l'un des plus beaux jeux de la console au niveau des RPG en tout cas. Même si pour moi, le top du teuf, ça reste les graphismes de Donkey Kong Country. Mais regardez, le jeu n'est pas avare en détail. Entre les fleurs, les petites pierres, les cailloux, voilà, les petites zones brunes. Pour montrer la terre, les maisons, les tuiles, les volets, les portes, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs en fait sur chaque objet. Les arbres, il y a plusieurs variantes en fait de vert, vert foncé, vert clair, allons limite jusque sur le jaune. C'est ça que moi j'aime bien, quand je vous dis tout à l'heure c'était un jeu féerique, bah, c'est vraiment pour ce côté-là. T'es vraiment en fait dans une épopée, tu vas vivre une aventure, et tu peux pas faire une aventure si les graphismes ne tiennent pas la route. Regardez, le petit arbre avec les pommes à l'intérieur, même dans les pommes, vous voyez qu'il y a différentes variantes de couleurs. C'est clair, c'est foncé, il y a le jeu d'ombre, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en avant l'univers, j'allais dire la comté, pour citer le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, il y a un monde en fait qui est vraiment propre à ce jeu-là, il a été vraiment très bien retranscrit par rapport à ses graphismes. T'aurais pu avoir mieux, c'est clair. Le jeu aurait peut-être gagné à être sorti en 95 par exemple, mais on s'en fout, ça reste très beau, ça reste très joli. Et tu peux pas critiquer le jeu là sur ces graphismes. Je pense que c'est clarinette. Regardez les flammes dans la cheminée à l'arrière. Les niveaux sont en vie, tout n'est pas fixe. Écoutez cette musique, je suis obligé. On va réécouter cette musique encore une fois. Voilà, c'est peut-être la dernière fois que je parle de ce jeu-là sur la chaîne. Donc vous allez en bouffer de cette musique, les gars. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Moi, je suis esclave de ce jeu-là. Voilà, graphiquement, pour moi, c'est du tout bon. C'est pas exceptionnel. Si je vais donner une note au graphisme, je te mettrais un bon 15 sur 20. Un 15 sur 20, si on avait été en 93, je t'aurais mis un 18. Tu vois ? Mais là, avec du recul, avec ce qui est sorti derrière, je peux pas te mettre un 18, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf que les graphismes sont vraiment très variés, hein, mais bon, après, ça reste du classique, on est dans un RPG, ou même dans tous les jeux de l'époque, t'avais toujours la même chose. T'avais la verdure, t'avais le monde de glace, t'avais le monde de feu, t'avais des environnements un petit peu usines, un petit peu internes comme ça, que moi j'aime pas, hein, quel que soit le jeu, c'est vraiment pas les environnements que je préfère. Donc c'est ce moment-là, en fait, tu te fais virer de ton village parce que t'as retiré l'épée mana et que t'as attiré des monstres en fait tout autour du village, donc les villageois
t'ordonne de te barrer, en fait, t'es banni de là où tu vis, c'est triste. Hein. Le jeu n'est pas non plus tout rose, hein. Il y aura des éléments assez dramatiques dans le jeu-là. Merde, je crois que j'étais... Ouais, je suis empoisonné. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que j'ai mis mon nom hein, sur le personnage, c'est vrai que je l'ai pas commenté au début de la partie. Mais en fait, dans la version française, on n'a pas les vrais noms des persos. Alors que dans la version japonaise, le personnage principal s'appelle Rambi. Si j'ai pas j'espère que j'ai pas de bêtises. Je crois que c'est Rambi. Je corrigerai via un texte si jamais je me suis trompé. Et enfin, moi, j'aurais aimé qu'il propose en fait les personnages de base et si tu veux ou pas les changer en fait. Parce que moi, ça à l'époque, je l'ai pas su. Hein. J'avais dû avoir juste la cartouche. Je savais pas qu'ils avaient des vrais noms, qu'il y avait des noms par défaut pour les personnages. Donc j'aurais aimé qu'ils les laissent. Je sais pas pourquoi ils ont viré ce truc-là. C'est quoi ouais, c'est pas un vrai défaut, mais. Mais voilà, c'est... même dans mon let's play, hein, j'avais changé les noms. Mais bon, c'est pas grave. Donc le bonbon hein, qui te permet de récupérer de l'énergie. Donc on aura une grosse variété d'objets dans. Comme dans tout bon RPG qui se respecte, hein, j'ai envie de te dire. Donc tu auras également trois personnages jouables, donc des personnages qui seront des vrais personnages, comme j'ai envie de dire. Ce sera pas juste des pancartes, en fait, ou des porte-manteaux. Il y aura vraiment un vrai background à chaque personnage. Ils auront leur histoire, leur vécu, là où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, et c'est ça qui est exceptionnel. T'as pas juste des personnages comme ça, qui t'arrivent juste pour gonfler une équipe. Non, c'est vraiment pour compléter, en fait, le lore du jeu. Ça, c'est juste énorme. C'est vraiment juste énorme. Combien t'as d'RPG de nos jours où t'as, je sais pas, 10 persos jouables, 8 persos jouables, bon, en fait, tu connais rien d'eux. Ils te disent 3 lignes, en fait. Leur scénario, en fait, c'est une carte Panini. C'est le machin, il vient de ce château-là. Sa faculté, c'est de faire ci et ça. Il veut se venger parce que le méchant a tué son papa. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le background des personnages d'aujourd'hui, malheureusement. Là, t'auras un peu plus. Je veux pas trop en dire. T'auras des situations comiques, des situations tragiques, malheureusement. Mais t'auras quelque chose, tu vas jamais te dire le personnage là il sert à rien, je l'aime pas tellement. T'as le droit de pas aimer un personnage, t'as le droit de pas aimer l'un des trois, mais ça n'arrivera pas. Tu vas forcément les kiffer pour quelque chose, tu vas jamais les détester. Tu peux ne pas être fan, mais tu vas pas les détester parce qu'il y a quelque chose qui a été créé autour de toutes ces personnes. Merci Square, vous avez fait du super taf. Ouais, donc je m'égare un petit peu, hein, le test ressemble à rien, je pars une fois de ça, ensuite je reviens sur le premier truc, ça n'a aucun sens, mais comme d'hab, c'est un RPG, moi je sais pas comment on teste les RPG, et j'ai envie de vous donner aussi mon ressenti. C'est un test aussi nostalgique, que j'ai aussi envie de vous faire partager un petit peu le vécu que j'ai avec ce jeu-là, de vous faire partager ce que je ressens pour ce jeu. Voilà, ceux qui n'aiment pas le jeu vidéo sont en train de me prendre pour un vous, peut-être, mais je pense que ce jeu-là a une fanbase exceptionnelle, donc j'ai pas envie de froisser non plus trop de personnes. Mais je vais quand même parler des points qui me désolent un peu depuis que je l'ai refait. C'est que le jeu n'a pas vraiment fait d'à côté. Il n'y a pas vraiment de quête annexe. Tu peux récupérer de meilleures armes, un meilleur équipement, tout ça, ok. Mais j'aurais aimé des vraies quêtes annexes en plus, même si c'est juste des quêtes FedEx, on s'en fout. C'est pas grave, on s'en fout. Tu vas pas mourir si tu fais des quêtes FedEx. Il saurait apporter un petit peu plus de background encore plus au jeu, puisque tu vas arriver à une map monde environ à la moitié du jeu, ou aux deux tiers, je sais plus exactement. T'as une map monde, tu pourras y aller avec ton dragon, tu pourras te diriger sur la map, hein, en mode 7 évidemment, le super mode 7 de la Super Nintendo. Qui est un petit peu brouillon dans le jeu-là, j'avais du mal à me repérer moi. Si t'as pas de carte à côté, tu galères quand même bien comme il faut. Mais voilà, j'aurais aimé des petites zones comme ça, vraiment, même minuscules, c'est pas grave, mais des petites zones comme ça à découvrir pour en voir encore un peu plus sur le monde qui est Secret of Mana. Mais ils l'ont pas fait, donc est-ce que c'est un manque de temps? Je pense pas que ce soit un manque d'espace sur la cartouche, parce que bon, tu prends un Chrono Trigger, les quêtes annexes, en veux-tu, en voilà. Hein. T'as pas non plus un milliard, mais il y en a quelques-unes. J'aurais aimé avoir des quêtes annexes, par exemple, pour récupérer le meilleur équipement du jeu, plutôt que de juste l'acheter à un marchand. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aurais aimé, vous voyez, j'aurais aimé mériter, en fait, d'avoir cet équipement. Alors, donc, tu le mérites, parce qu'il faut une quantité de thunes exceptionnelle pour pouvoir se les payer. Mais, voilà, t'es quand même un petit peu déçu. Tu dis, oh putain, faut juste que j'aille farmer, faut que j'aille récupérer de la thune, je vais faire des combats à la chaîne en boucle. Jusqu'à ce que j'ai la somme pour pouvoir m'acheter l'équipement. Non, c'est dommage.
mettez-nous, vous auriez dû nous mettre une vraie quête en fait, une vraie quête annexe pour récupérer ces équipements, un truc vraiment dur aussi avec un boss, des boss compliqués, vous voyez, un boss par personnage pour pouvoir récupérer ces trucs. Ils l'ont pas fait, dommage, franchement c'est dommage. Et c'est ça qui m'a un petit peu rebuté lorsque j'ai refait le jeu là, c'est que je l'ai trouvé vraiment... J'ai pas envie de vous dire barbant, mais il y a des passages quand même, ça saoule. Si tu veux upgrader ta magie, c'est chiant quoi, c'est chiant de faire du level up. Si tu veux vraiment récupérer les bons équipements, c'est chiant de... C'est chiant d'aller récupérer de l'argent. Vous voyez, c'est pas intéressant. Alors que le jeu suit vraiment une trame vraiment spécifique qui va se répéter tout le long du jeu. Hein. Tu vas arriver dans un nouveau lieu, t'auras un magasin et t'achèteras l'équipement pour avoir le meilleur armement, ainsi de suite. Dès que tu vas découvrir une nouvelle ville, bis repetita, et tu referas ça tout le long jusqu'à la fin du jeu. Voilà, à l'époque, ça passait crème, tu te rendais pas compte de toutes les possibilités que tu pouvais faire. Mais maintenant, j'ai envie de te mettre en garde là-dessus, c'est que tu vas peut-être trouver ça un peu saoulant. Alors, est-ce que c'est obligatoire de racheter à chaque fois les armures, les armes, les machins? Je pense pas, dans chaque ville. Dans mon let's play, il faudrait vérifier, mais je pense pas l'avoir fait à chaque fois. Des fois, je sautais une ville, ouais, j'achetais l'équipement qui arrivait après, parce que j'avais pas la thune, hein, tout simplement. Mais voilà, ça peut être un peu gavant de ce côté-là. Donc là, je vous ai cité quand même quelques défauts, mais est-ce que c'est vraiment des défauts qui gâchent l'immersion à un jeu-là? Je pense pas. Je pense pas que ça gâche l'aventure, ça peut être un peu pénible par moment, ou si t'as pas spécialement envie de jouer, c'est le genre de truc qui te décourage direct. Hein. S'il faut aller faire de la thune pour pouvoir acheter des trucs, c'est clair que c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas le plus intéressant dans un jeu vidéo. Mais il faut s'y faire, et on peut pas tout avoir, les gars. Ça, le jeu ne peut pas être parfait, hein. C'était sûr, on est en 93 encore une fois. Il fallait mettre un petit peu de défaut pour pouvoir faire encore un peu mieux derrière. Un petit peu comme le premier Donkey Kong Country, où ils ont pris le parti pris de mettre des boss de merde pour pouvoir faire mieux dans leur suite. Donc je crois que ça n'a jamais été dit officiellement, mais c'est sûr et certain que c'est le cas. Dans Donkey Kong, c'est sûr et certain. Donc là, peut-être que c'est la même chose. Donc au niveau des boss, on aura énormément de repompage. Hein. Le boss va revenir d'une couleur différente un peu plus tard dans le jeu. Ah, on peut déjà accéder à la sorcière. Donc là, c'est un environnement que je trouve horrible. Hein. Par contre, ouais, tout n'est pas magnifique hein, dans le jeu, loin de là. Donc, on va pas s'y attarder, pas dans ce test-là. Donc je vais continuer le scénario, hein, tout doucement, on va pas se prendre la tête. Au niveau du gameplay, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, donc c'est un action RPG, ça vous le voyez depuis le début du test. Mais c'est un jeu qui est un petit peu pété au niveau de sa magie. Donc c'est-à-dire que... Là, tu te bats à l'épée, il n'y a pas de problème. Hein. Plus tu donnes de quoi à l'épée, et plus l'épée va monter de niveau, plus ton personnage va monter de niveau, ainsi de suite, etc. etc. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est commun à la plupart des RPG. Hein. Plus tu utilises un truc, et plus ça va augmenter au niveau de son niveau. Hein. Mais au niveau de leur magie, je trouve qu'ils ont, un petit peu merdé... je sais pas comment expliquer ça. C'est beaucoup trop puissant en fait. C'est beaucoup, beaucoup trop puissant quoi. Tu peux pas. Enfin, limite, ça te gâche l'immersion. Parce que plus tu vas monter ta magie, et plus tu vas rouler sur les boss. La magie principale utilité, c'est d'utiliser contre les boss. Parce que les magies vont te prendre des points de mana. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu là. T'en as pas à l'infini, je crois qu'il faut utiliser des amandes hein, pour te restaurer cette magie là. Donc tu vas pas le faire contre les petits mobs, hein, genre contre un champignon comme tu le vois à l'écran actuellement. Non, tu vas le faire par parcimonie et surtout contre les boss. Si t'as tes points de magie en arrivant devant un boss, t'es peinard mec, tu vas lui rouler dessus, tu vas le défoncer. Donc les magies seront meilleures en fonction des caractéristiques de l'ennemi, ça c'est normal. T'as un boss type feu, bah, tu vas utiliser Ondine pour l'eau. Vous voyez, c'est des sortes de petites invocations à la manière d'un Final Fantasy que tu vas utiliser régulièrement contre les boss. Et le problème, c'est que plus tu vas les augmenter, et plus tu vas rouler sur les boss. Et plus tu vas te gâcher, en fait, peut-être une tactique. Ouais, parce que l'imagine, tu peux les enchaîner, en fait. Hein. Tu les enchaînes, le boss comprend rien, et tu finis par gagner, tout bêtement. Tout le long de l'aventure, en fait, ça va être ça. Donc, c'est pas un jeu qui est pas non plus facile. Tu vas mourir, tu vas crever à différents endroits. Mais si t'es un minimum vigilant, ça va bien se passer. Si t'as tes objets de soins, si tu prends parti de te régénérer ton inventaire, de racheter des bonbons, des trucs pour te ressusciter, machin. Je crois que c'est une coupe pour ressusciter un...
un coéquipier, un personnage, ça va bien se passer. Tu verras, t'auras pas de soucis. Tu vas avancer relativement vite, facilement. Mais il faut y faire attention, tu vois, tu peux pas non plus rusher le jeu sans faire gaffe. Il me reste de l'énergie, on s'en fout, on continue. Non, tu fais attention à ce qui se passe et tout va bien se dérouler. Donc je peux pas le classer dans les jeux vraiment difficiles à cause de la magie. Par contre, sans la magie, est-ce que c'est vraiment possible de péter les boss? Parce qu'il y en a qui sont vraiment horribles. Parce que je me suis déjà retrouvé devant un boss. Les conseils que je vous donne là, je les ai pas forcément appliqués. J'y ai rushé, je me suis retrouvé devant un boss, j'avais plus de potions, j'avais plus rien. Le mec m'a défoncé, tout simplement. Tout simplement, il faut faire gaffe. Mais si tu fais gaffe, tu vas finir le jeu facilement. C'est vrai que moi, dans mon let's play, je vous ai pas montré la partie level up, parce que je faisais beaucoup de level up entre les différents niveaux. Faut pas croire que le jeu était gratuit comme ça. Non, il fallait faire un minimum, il fallait s'investir, surtout pour monter le niveau des magies. Donc je vous lis pas les buts, je vous dis rien. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'est vrai que j'ai pris parti de prix de pas spécialement vous parler de ce qui se passait à l'écran. Donc là, il y a le roi, machin. On s'en fout. Tout à l'heure, vous avez croisé le deuxième personnage du jeu qu'on va débloquer. Je pense pas qu'on le débloquera dans ce test-là. Donc la fille s'appelle Purim, au Japon. Et il y aura le troisième personnage, un elfe, Popoi. Donc là, vous le verrez. Je vais charger ma partie un peu plus tard dans ce test-là, histoire de vous montrer quelques magies. Voilà, bon, on va pas tarder à le faire d'ailleurs. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu magie du feu, des trucs comme ça. Et puis on va se balader dans un autre environnement. On sera dans le désert. Je vais essayer de vous montrer l'environnement de glace, parce que les musiques sont juste à couper le souffle. Elles sont magnifiques, orchestrales, féeriques. Voilà, je réutilise les mêmes mots parce que je suis nul en synonyme. Et voilà, ça vaut vraiment le détour. Et puis ben, on va s'arrêter là. J'aime bien pour un RPG prendre une petite demi-heure. Ça, des tests qui sont un peu plus longs, mais ça en vaut la peine. Donc pareil, les armes, on pourra les forger, les augmenter, tout ça. Donc t'auras de tout, t'auras un fouet, un arc, donc l'épée que j'ai actuellement, une hache, la hache est excellente, une lance. Voilà, t'auras ce qu'il te faut pour t'amuser, donc faudra switcher entre les différentes armes tout le long du jeu. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Peut-être. Le petit hockey qui fait plaisir. Là, je crois qu'il n'y a personne qui parle. Il faudra revenir beaucoup plus tard dans le jeu. Enfin, beaucoup, beaucoup. Non, pas spécialement, mais il faudra revenir plus tard. Donc là, il faut que j'aille rencontrer les nains, justement. Donc c'est eux qui s'occupent de l'armement. C'est un petit peu bateau, mais tout ça, c'était déjà présent. Les bases qu'on connaît aujourd'hui, les nains qui sont forgerons, machin, c'était déjà là dans Secret of Mana, les gars. Eh ouais, mec. PG, mec. Je t'embouche un coin, là. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans les maisons? Va secourir mes parents. Voilà. Aucune politesse. Va te faire... Allez, de quoi je vous ai pas encore parlé? De la durée de vie. Le jeu se termine en... 20 heures. Voilà, 20 heures si tu prends le temps de monter les magies. Si t'es pas trop bloqué par le scénario, généralement, tu sais où aller. Voilà, t'es pas non plus paumé. Sachant que dans la version française, le jeu était vendu avec le guide officiel du jeu. Donc moi, je l'ai pas, j'ai juste la boîte boîte et jeu. Sachant que je crois que dans la version belge, t'avais une vraie notice. Tu peux avoir la boîte du jeu écrite en français avec une notice à l'intérieur. Normalement, c'est pas carte mode, donc à prendre quand même avec les pincettes ce que je vous dis. C'est un jeu qui est toujours abordable de nos jours. Donc j'ai vérifié avant de lancer ce test, c'est un peu plus de 100€. Boîte et jeu, ah bon, si tu veux la notice, évidemment, c'est un peu plus cher, mais pour un jeu comme ça, pour moi, il les vaut. Il n'y a pas de problème. Moi, pour un RPG, je peux mettre 100€. Clair, net, précis, j'ai même déjà mis bien plus que ça, rien que pour Terra Enigma, par exemple. Enfin, on s'en fout, on va pas entrer dans les prix. Après, n'hésitez pas à le prendre sur console virtuelle, on s'en fout, et vous faites, au pire, vous faites en émulateur, vous le dites à personne. Vous dites à tout le monde que vous avez acheté le jeu, comme ça, vous êtes peinard. Et voilà, faites le jeu, moi, c'est tout ce que je vous demande. Prenez le temps de le faire, on va charger la partie, je pense. On va... Enfin, charger la partie... J'avais fait des save states sur Recalbox. Donc on va se charger, ça, surtout que je vais crever, là. On va se charger, donc, la partie dans le désert. Je crois que c'est sur le bloc 2.
Alors, attendez, on va lancer l'oigne. Slot 2. Non, slot 0 plutôt, je suis con. Voilà. Petite musique d'ambiance encore une fois. Donc là, on est dans le désert. Donc je vais vous montrer quelques magies rapidement. Hein. Ah, bah, tiens, il y a un forgeron là, justement. Avec ses cornes de Goldorak, là. Alors, je sais plus, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un... Je sais plus comment on les appelle. Le canon, là, pour... Le boulet de canon pour changer d'environnement, ou il est peut-être là, quelque part. Donc là, je vais vous montrer quelques magies. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Magie du feu, par exemple. Ça s'appelle Sylphide. Boule de feu sur tous les ennemis en même temps. Je devrais les péter, ou presque... En une fois, en plus je suis niveau 7 côté magie, donc tu doutes bien que ça va être un carnage. Ah, musique que j'aime un peu moins là pour une fois. Regardez-moi l'ombre sur le sol. Vous voyez, c'est ces petits détails qui font que le jeu est beau et sympathique. Voilà. Donc je sais pas est-ce que je vous parle de l'histoire du jeu, parce qu'il y a un petit peu que ça que je vous ai pas encore dit. Sinon tout le reste c'est du classique hein, au niveau du RPG. Hein, tu peux... Comment dire, tu peux indiquer à tes partenaires à quel point ils doivent attaquer, est-ce qu'ils doivent être agressifs ou pas.